Salut les amis, alors aujourd'hui c'est une journée très spéciale dans Bali puisque c'est le Nyepi Day, le jour du silence, c'est-à-dire que toute l'île en fait elle est complètement morte, c'est-à-dire que tous les gens restent chez eux. Donc aujourd'hui j'ai pas pu sortir et normalement il y a très peu de lumière. Alors là j'ai juste allumé la lumière rapidement pour pouvoir tourner la vidéo, mais normalement on reste dans la pénombre en général et on sort pas, on reste chez soi. Voilà, c'est un petit peu donc une tradition à chaque nouvel an après la journée des Ogogo que je vous ai montré hier, donc les processions de grandes statues que vous avez pu voir. Donc aujourd'hui je suis resté à la guest. Donc vous avez vu ce qu'ils ont mis là sur les fenêtres pour les cacher, dans la guest ils ont mis des morceaux de carton. Et également, si je vous montre dans la salle de bain, voilà, ils ont mis du carton pour barricader si jamais j'allumais la lumière. Donc voilà un petit peu pour la journée du Nyepi. En fait, pourquoi ils font ça? C'est tout simplement pour éviter que les démons qui survolent Bali, c'est-à-dire que même l'aéroport est fermé, il y a vraiment tout est fermé, il n'y a personne dans la rue, sauf la police en fait qui veille au respect des traditions pour pas qu'il y ait des touristes qui ignorent le truc et qui se retrouvent dehors. Donc en fait, ouais, pourquoi ils font ça? C'est parce que tous les démons, quand ils survolent Bali, s'ils voient que l'île est complètement... qu'il n'y ait aucune présence humaine, ça ne va pas les tenter de revenir parmi les humains. Donc voilà un petit peu pourquoi ils font cette tradition du Nyepi. Donc Nyepi, ça s'écrit N-Y-E-P-I. Vous pouvez regarder sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, c'était une journée plutôt tranquille. J'en ai profité pour me relaxer et puis continuer de préparer la suite de mon séjour. Demain, ça va être génial. Donc abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube et likez la page Facebook parce que je vous emmène à Ubud, qui est le centre culturel de Bali. Donc ça va vraiment être sympa. Je vais vous montrer plein de trucs. Je vais aller voir dans la forêt des singes, sûrement voir des rizières aussi. Donc likez surtout la chaîne YouTube pour pouvoir me suivre, enfin si ça vous intéresse évidemment. Et pour moi ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce que je vous propose ça vous plaît. Donc c'est juste un clic ou un abonnement, enfin ça c'est juste un seul clic pour vous, mais pour moi ça représente beaucoup. C'est un petit peu comme si que vous me donnez une preuve claire que ça vous plaît ce que je vous propose, et ça m'encourage à continuer à vous proposer des choses comme ça. Donc voilà les amis, je vous retrouve demain à Ubud et je vous dis une très bonne journée. Allez, ciao, salut.